reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais découvrir ce matin avec un audio vraiment mauvais. Nous devons faire attention. Un homme a failli se faire arnaquer. Je ne sais pas si d'autres se sont déjà fait arnaquer, mais ça là, ça peut vous arriver. Donc suivez cette vidéo très attentivement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une personne qui essaie d'arnaquer les gens à partir de l'application Wave Mobile Money. C'est de quoi? Cette personne se fait passer pour une personne responsable et elle promet de l'argent aux gens. Et cette personne vous appelle et essaie de prendre des informations sur vous et tenter de rentrer en contact avec vos informations ultra confidentielles afin de piloter votre compte Mobile Money de loin. Mais déjà, Wave, c'est quoi exactement? Wave, vraiment, c'est une nouvelle application Mobile Money. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, hein, mais apparemment, les gens parlent bien de cette application. C'est une application pour faire les transferts d'argent à moindre frais. Vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte, retirer de l'argent sur votre compte sans payer de frais. C'est juste pour les transferts, là. Je pense que c'est 1%. Donc, tout le monde est là-bas. Tout le monde va là-bas parce que c'est vraiment un avantage. Ça a un avantage extraordinaire par rapport à la concurrence, par rapport à d'autres agences mobile money. Donc, tout le monde est là-bas. Donc, là où tout le monde va là, forcément, le diable aussi va aller là-bas. Qui n'est pas bonheur. Donc, le diable va aller là-bas pour arnaquer les gens, pour créer des problèmes aux gens. Mais en utilisant une stratégie assez simple. Mais avant de plus détailler cette stratégie, je vais d'abord vous faire écouter cette conversation du début jusqu'à la fin et voir même comment une femme propriétaire d'une agence Wave a réussi à intercepter les attaques de cette personne diabolique. Nous allons écouter ça. Alors, c'est parti. Écoutons. Se présente par rapport à cette affaire de virus et tout ça, la maladie. Et cette personne lui demande si tu t'es déjà fait enregistrer pour recevoir tes plus de 70 000 francs. Et on va voir la réponse de cette personne. D'accord, papa. La personne dit non. Vous êtes encore enregistré? Je ne suis pas encore enregistré, c'est ce qu'il dit. D'accord, raison pour laquelle nous vous appelons. On va vous enregistrer et vous allez recevoir le dépôt, vous comprenez? Il dit, c'est la raison pour laquelle nous vous appelons afin de pouvoir vous enregistrer et que vous puissiez recevoir votre argent. D'aller là dans le pays là. Quelqu'un va te dire, dans le pays là, quelqu'un va te dire là. Il dit, non, on t'appelle pour que tu puisses te faire enregistrer afin que tu puisses recevoir ton argent. Ah! La vie n'est pas facile, hein. Suivez la facilité. Si vous ne voulez pas avoir de grands problèmes derrière, allons-y plus loin. D'accord, papa. Mais d'abord, nous vous rappelons que nous sommes en partenariat avec le service client Wave. Vous connaissez l'application Wave, la nouvelle application. D'accord, papa. Il dit, déjà, nous devons vous informer que nous sommes en partenariat ou encore nous sommes connectés avec l'application Wave. Ça veut dire que, à partir de cet instant où il parle ici, ça veut dire que ce qu'il veut cibler là, c'est ça. Sa cible, c'est l'application Wave.
Il y a quoi là-bas? Il y a votre jet. Il y a votre argent. Donc c'est quoi l'argent qu'il cherche? Mais il cherche un pont. C'est ce qu'il est en train de faire. Allons-y. Et il pose la question, est-ce que vous utilisez cette application? Il dit bien sûr. Le monsieur sait que le gars utilise l'application. Mais il appelle et lui demande quand même, est-ce que tu utilises l'application? Le monsieur dit oui. Souvent là, ce sont des sorciers qui font ça. Ils sont déjà informés de ce que vous utilisez, ce que vous faites. Donc, ils utilisent ces informations, ils font semblant comme s'ils ne sont pas au courant et ils viennent vous attaquer. D'accord, papa, parce que c'est sur l'application-là qu'on va vous apporter le dépôt concernant le frais de réduction-là, vous comprenez? D'accord, papa. Mais d'abord, savez sur quel numéro vous avez fait l'application. Et lui dit carrément que, écoute, c'est par rapport aux frais de réduction, en fait, au moins de frais à payer sur Wave que nous avons choisi Wave. Vous voyez, non? Donc, il lui fait quoi? Il essaie de le mettre en confiance. Et lui demande avec quel numéro il a enregistré ça. Il demande son numéro, voilà, qu'il utilise pour se connecter sur Wave, afin que lui puisse faire l'enregistrement à distance et que le monsieur puisse recevoir cet argent. Et le monsieur aussi, lui aussi, il donne le numéro. Regardez, écoutez. Le 07-01-07-08-46. Parce que ici, quand je regarde là, on dit vous avez l'application aussi avec le 050509-53-24. Oui, mais en fait, j'ai l'application sur les deux, mais c'est avec le 07-08 là que je. Que vous utilisez le plus. Voilà, le plus beaucoup, voilà. Et puis lui aussi, hein, il donne des précisions, hein, sur quelle application il utilise et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que là, le diable vous a déjà eu. Il vous a déjà mis en confiance jusqu'à vous lui dites ah, quel est votre numéro préféré, quel est votre plat préféré, quel est votre nourriture préférée. Il donne même des précisions. D'accord, parce que vous avez deux numéros là. D'accord, le 07 là, le même téléphone. Oui, ça c'est le même téléphone là. Parce que quand on va vous enregistrer là, ils vont vous envoyer un message sur le 07 là. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous avez une deuxième portable auprès de vous qu'on peut vous appeler n'importe quel réseau? Là, quand le message va venir, vous avez le téléphone en main et vous allez pouvoir voir le message. Hein? D'accord, je vais prendre un autre numéro. Il y a quelqu'un qui a un portable à côté où on peut vous appeler dessus? Oui, c'est le 05. Voilà, il faut demander le numéro. Oui. 05. 05. Deux fois. 05, 05, oui. 82. 82. 48. 48. 84. Eh, c'est rien. Parce qu'il a entendu seulement qu'ils vont lui donner de l'argent. Sa tête est mélangée en même temps. Sa tête est mélangée. Parce qu'il a entendu qu'il y a Jen qui a sorti dedans. Sa tête est mélangée. Vous voyez ça? Hey. Que l'argent ne vous fasse pas peur. Que l'argent ne vous fasse pas peur, oh. Sinon, le problème que ça va engendrer dans votre vie, vous allez comprendre. Le gars donne son numéro, il donne des informations, sans savoir qu'il est en train de donner son numéro. En fait, c'est un numéro au diable, y compris le numéro de son ami à côté. Hey! Ne marchez pas avec des amis qui sont bêtes, oh! Sinon, vous vous mettez le trou, oh! Ici, c'est pas que le monsieur, il est bête ou bien insensé. Hein. Le truc, c'est que il pense que la personne au téléphone, c'est une bonne personne qui veut l'aider. Parce que cette personne lui dit, écoute, est-ce que tu t'es fait enregistrer pour recevoir ton argent par rapport à cette histoire de maladie là? Parce qu'on dit qu'il y a l'argent à donner à ceux qui vont aller faire les trucs. Il dit, oh non, je ne me suis pas encore fait enregistrer. Il dit, oh, ok, comme tu t'es pas fait enregistrer, moi je suis un bon gars, moi je vais t'aider à t'enregistrer. Donc donne-moi ton numéro. Mais n'oublie pas que nous travaillons avec l'application Wave Mobile Money. Et tu dois nous donner ce numéro là afin que nous puissions vraiment t'envoyer l'argent là-bas facilement. Parce que là-bas, on fait les transferts à moins de frais. Est-ce que tu vois? Donc, ça dit que si on fait les transferts là-bas à moins de frais, l'argent des frais qui sont dessus là, c'est toi qui va gagner ça. Tu vas gagner plus. Lui aussi dit, ah oui, c'est vrai, c'est que c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est que vous m'aimez bien, vous voulez vraiment mon bien. Vous voulez vraiment me donner de l'argent. Ah, c'est bien. Eh, Seigneur.
Qui va vous donner l'argent à l'aile? Qui? 84, je répète, papa. Oui. Vous avez dit. Et là, il a donné le numéro de la personne à côté. 050. Que se passe-t-il? Il dit que le numéro n'est pas lui, c'est sa femme, mais elle le soit sera là. Bon, il n'y a pas que ton point de route qui est important pour rapidement, on peut vous appeler dessus. Je suis là. Oui, oui. Combien bon, ce qu'on va faire, allô? Mm-hmm. Ce qu'on va faire là, est-ce que quand les messages viennent là, pendant qu'ils sont en communication là, est-ce que quand les messages viennent là, est-ce que tu peux voir le message? Oui, je peux le recevoir. Mais tu peux regarder le message, tu peux regarder le contenu. En même temps? Oui, est-ce que tu n'en as pas encore envoyé le message? D'accord. Je te dis quoi, quand on va t'enregistrer, ils vont t'envoyer un message. D'accord. Est-ce que quand le message vient là, est-ce que tu peux afficher le message pour regarder? Bien sûr. D'accord, donc c'est qu'il faut récupérer le numéro, on va t'enregistrer. C'est le 07 0708 08 46 46 80 93 93, vous voyez, quand la parole de Dieu nous dit que souvent il y a les yeux, mais tu ne vois pas là. Voilà, le gars il ne sait pas que son diable là, c'est lui-même qui a été l'appelé. Ah oui, c'est ça, oui. Je répète le numéro, papa, pour ne pas me tromper. Hein. Vous avez dit 07 oui. 08 oui. 46 oui. 80 oui. 93, c'est ça? Ah, c'est ça, oui. Vous appelez comment, s'il vous plaît? On va vous enregistrer. Vous appelez comment? Monsieur le numéro, non. Monsieur le numéro, vous n'avez pas. C'est le numéro, c'est mon nom qui a été tapé sur le numéro là. Monsieur Chou. Mais le numéro là, oui. Vous n'avez pas l'application WIF. Bien sûr. Vous n'avez pas l'application WIF. Ah! Le gars dit, ah, mais le numéro que tu m'as donné là, sur ce numéro là, vous n'avez pas l'application WIF, hein? Mais vous n'avez pas l'application WIF. Comment sais-tu que le gars n'a-t-il pas l'application WIF? Lui là-bas dit qu'il travaille avec les gens de l'Organisation mondiale de la santé. Toi, tu es dans l'organisation mondiale de la santé, tu sais qui a l'application et qui n'a pas l'application. C'est ton job. C'est ton travail. Hein? C'est là où vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Si vous êtes intelligent, hein, vous venez comprendre ce qui se passe ici. Écoutez vraiment très très bien. Non, mais c'est pas avec le numéro, parce que c'est avec le 05 que vous avez fait. Hein? Donc, on va mettre le 05. Le 05. C'est-à-dire que pendant que le gars donne le numéro et tout ça, lui, il a sans doute une autre application qui lui permet de savoir qui est vraiment sûr, qui utilise vraiment le service Wave Mobile Money. 09. Allô? Oui. Oui, 05-09. 53-24. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est M. Chouchouti, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Il a même les informations sur le gars. Il a son nom, tout son nom apparaît, parce que le gars a donné toutes ces informations. Donc, c'est son nom qui a été utilisé pour l'identifier, apparaît. Donc, le gars, toi, tu es allé t'inscrire sur Wave, et on t'a même identifié à ta carte d'identité. Ton numéro est associé à ton nom complet. Et toi, tu donnes toutes ces informations-là à une soi-disant personne qui est dans l'Organisation mondiale de la santé qui veut vraiment te donner l'argent. Une soi-disant personne qui est dans l'Organisation mondiale de la santé. Vraiment, faites attention à là. Faites vraiment attention. Ne fais pas ce genre de choses à distance, même vis-à-vis. Faites attention. Chez nous, on dit allez à la maison mère pour avoir ce que vous voulez. Ne restez pas à côté, les petits du quartier. 24, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est M. Chouchouti, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est ça. C'est M. Chouchouti, il lui dit, oui, t'es bien identifié, voici ton nom, c'est M. Chouchouti, et toutes les informations là devant moi, dans mon ordinateur. Ah, parce que c'est le nom que je vois dessus, c'est ça, non? Voilà. Voilà, sûrement vous êtes trompé, sinon c'est le numéro 0, si vous avez trouvé l'application, hein? Le 07 là, je fais un rangement dessus déjà. Donc c'est à qui? Ah non, vous êtes un peu trompé, hein? Non, voilà. Donc le numéro c'est 0505 09 53 24, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, l'application Wave là, c'est vous-même qui l'avez créée ou bien ce sont les distributeurs là? Je lui pose même toutes ces questions. L'application Wave là, est-ce que c'est vous-même qui l'avez créée ou bien ce sont les distributeurs?
pour avoir toutes les informations possibles afin de lancer l'attaque. D'accord, papa. Donc, on va faire passer, on va faire. J'ai pas pris la carte, je vais l'installer directement par store. D'accord. Donc, on va faire entrer ton numéro identifiant là. C'est-à-dire les quatre chiffres là, de l'application là. D'accord. Et puis, on t'envoie un message maintenant. Hein. Donc, voilà, les quatre chiffres là, ça nous connaît. Quand tu as créé l'application là, les quatre chiffres là, ça nous connaît. On t'envoie un message. Ça nous connaît. Oh, là, lui demande maintenant. Les quatre chiffres que WEF t'a donné là, quand tu as créé le compte là, quels sont ces quatre chiffres là? Et lui maintenant il veut communiquer ces quatre chiffres là, ces quatre codes secrets là, à un inconnu. C'est là là il faut ouvrir les yeux. Ne communiquez aucun code secret à qui que ce soit, que ce soit sur votre carte bancaire, que ce soit votre puce ou quoi que ce soit. Mais écoutez très bien, revenez en arrière, écoutez ça. D'accord. Donc on va faire entrer ton numéro identifiant là. C'est-à-dire les quatre chiffres là, de l'application là. D'accord. Et puis on t'envoie un message maintenant. Hein. Donc, voilà, les quatre chiffres là, ça nous connaît. Quand tu as créé l'application là, les quatre chiffres là, ça nous connaît. On t'envoie un message. Ça nous connaît. Les quatre chiffres là, tiens comme le mot de passe là, voilà, de l'application là, voilà. Faut répéter, on t'envoie un message. 1914, je crois. Tu connais? 1914. Oui. 1914. 74, c'est ça? Si la bonne mémoire, je me rappelle pas. 1974, c'est ça, non? Voilà, il faut regarder sur son portable. Quand le message vient, tu peux voir, non? Donc, il n'y a pas de problème. Quand vous essayez de vous connecter via votre compte bancaire ou bien une application Mobile Money, on vous envoie un message pareil. Ces messages secrets, ne communiquez pas ce message-là, ce code-là à quelqu'un. Ne communiquez aucun code à une personne étrangère. Faites attention. Surtout une personne que vous ne connaissez pas, qui est juste au téléphone. C'est pas possible. Bon, il y a un message qui est venu. Bon, il y a le message, il y a ton numéro d'enregistrement en bas, là, c'est 4 chiffres, tu comprends? Ok. Voilà, tu as reçu un message, non? D'accord, je vais. Et lui aussi, il va aller chercher le message, là, pour donner le message, là, à son diable. Ça, là, c'est le diable qui l'a appelé. C'est le diable qui l'a appelé. Vous n'avez pas dit que le diable n'existait pas. D'ailleurs, parce que le gars avait été déguisé avec des cornes. Le gars avait dit, ah, regarde-moi, il y a des cornes ici, oh, je suis vilain, non? Je suis vilain. Vous mettez les doigts dans l'œil, hein? Ha! Aïe, aïe, aïe. Le gars va jamais se déguiser en vilain, car tout cela passait pour une personne bien, bien cravatée, bien parfumée, belle voiture, belle maison. Mais cette personne essaiera de vous monter beaucoup d'argent. Pour que vous puissiez dire, oh non, cette personne, si elle a déjà beaucoup d'argent, elle ne peut pas m'arnaquer. Elle peut t'arnaquer, même si ce sont des héros, elle va prendre partie. Oui! Donc, cette personne va chercher le code là maintenant pour essayer de transmettre ce gars, ce code là, ce gars. Allô? Allô? Pendant ce temps, ce gars là au téléphone, il a dit, allô, 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 le gars allait chercher le code. Allô? Allô? Donc, il a laissé le téléphone ici, il allait chercher le code quelque part, on ne sait pas où il est parti. Écoutez. Que va-t-il se passer après? J'aimerais bien savoir ça. Allô? 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 Oui, tu as vu le message là? Il faut que je coupe la communication pour vérifier le message. Bon, il dit qu'il faut que je coupe la communication pour vérifier le message. Non, papa, allô? Oui? Faut m'écouter, je vais couper l'appel. Oui. Tu vas regarder sur ton portable là, tu as vu qu'il y a un message qui est venu, tu as compris? D'accord. Faut regarder dans le message, faut bien regarder dans le message, en bas du message là. Il y a ton numéro d'enregistrement, c'est 4 chiffres, tu as compris, non? D'accord. Voilà, faut retenir les 4 chiffres qui sont en bas là, je vais te rappeler tout à l'heure, tu vas recevoir le dépôt, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, je te rappelle, faut regarder le message là, à partir de là, les 4 chiffres en bas du message, hein? D'accord. Voilà, je te rappelle. Allô? Vraiment, que le diable est derrière vous. Que le diable est derrière vous. Que le diable est derrière vous. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'à la gare. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, il sera derrière vous. Le diable a rappelé encore. Le diable a rappelé encore. Vous dites, c'est comment faire là? C'est comment? Il faut faire vite, 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 vite. Chape, 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 chape. Dès que vous entendez ce genre de choses, genre quelqu'un vous dit, faites vite, 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 vite. Chape, 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 chape. Ne suivez pas la personne. Bon, je vais vous donner ces informations après, mais écoutez d'abord. Non,
Attendez, revenons en arrière. Apparemment, le monsieur, comme il ne comprenait pas ce qui se passe, comme il ne retrouvait pas le code pour donner ce code à ce gars-là, il est allé dans une agence dans le quartier, non loin du quartier où il a l'habitude de se décevoir. Et il va trouver la femme là-bas pour lui expliquer, voici un monsieur m'appelle, qui veut me donner 75 000 francs. Et cette personne me dit de lui donner mon code, le code, mais je cherche, je ne vois pas le message. Est-ce que tu peux m'aider à retrouver le message, puis le code, afin qu'il puisse transmettre? La femme aussi dit, elle va commencer à prendre le téléphone. Elle m'a dit, allô monsieur, vous êtes un arnaqueur, vous êtes le diable, le voleur, le voleur. La Bible nous a clairement dit que déjà c'est un voleur. C'est vrai, il fait son job. Faites attention. Si vous n'aimez pas la facilité, le diable va s'éloigner de vous. Écoutez très bien ce que la femme va dire maintenant. Écoutez. Que nous sommes ici, nous sommes en train de vous enregistrer et on vous écoute en même temps. Vous là, vous êtes des arnaqueurs, vous n'avez pas fait ça à une seule personne, vous avez fait ça à beaucoup de personnes, on est ici. Et toutes les personnes qui sont là-bas sont dit oui, nous sommes là. Elle dit, on a enregistré tout et on va vous tracer. Hein? Cette personne dit, mais ce diable a dit, ah, mais je vous ai arnaqué comment? Je vous ai arnaqué comment? Apparemment, elle aurait coupé. Voici comment vous décrochez les appels du diable. Allons-y plus loin. Hello. Bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Il y a une grosse arnaque actuellement. Il y a des gens qui se font passer pour des gens de Wave qui appellent pour arnaquer. Je suis présentement à l'agence avec des clients. Je dis bien des clients. Ils ont venu se plaindre que, ah, il y a des gens qui les appellent, qu'ils n'ont qu'à donner le code de validation, qu'ils vont les envoyer 75 000, que ce sont les agents WIF. Voilà pourquoi j'ai transféré le vocal. Ça s'est passé chez moi ici, mais mes clients, ce sont mes clients du quartier. Il y a d'autres clients aussi qui ne sont pas là. Deux jours, on dit, c'est Anna qui est là. Hein. Il y a des gens qui se font passer pour les gens de WIF, mais qui m'ont montré les messages. C'est comme si WIF les envoie le code de validation. Ils m'ont montré le message. Vous devez avoir accès à votre compte. Maintenant, WEF, tellement c'est sécurisé, WEF envoie un message pour dire, genre, un autre portable essaie de se connecter à votre compte. Il s'agit bien de vous donner le code de validation. Le docteur a dit n'a pas donné, mais. Donc, c'est le prochain qui a appelé là. L'arnaqueur, il a appelé encore tout à l'heure. Ça, moi, j'ai parlé à la fin, là, si vous avez compris. Et nous, vous êtes des arnaqueurs. Donc faites très attention, hein. Donc faites très attention, hein. Donc faites très attention, hein. Ça c'est l'ivoirien qui parle. Faites très attention, hein. Le hein à côté là. Ça veut dire qu'il vous parle comme si vous êtes son propre enfant, son propre bébé. Il veut pas que le mal vous arrive. Donc faites très attention, hein. Faites très attention, hein. Moi si je vous dis faites très attention, c'est un show. Ouais. C'est un showbiz. Moi, ça crie, me fait mal. C'est que vraiment, beaucoup de personnes ne connaissent pas tellement les stratégies des agents du diable. En fait, du diable lui-même. Ça fait que beaucoup de personnes comme ça vont se faire avoir facilement. C'est là que j'ai vu ça, je me suis dit, nous sommes nombreux ici. Il y a des frères et sœurs que j'aime beaucoup, qui me soutiennent. Moi, vraiment, je ne veux pas que le malheur vous arrive. Il faut prendre ses précautions. Voici l'application. L'application s'appelle WIF. Ce n'est pas une publicité. Je ne fais pas des promotions et des publicités ici. Mais je vous donne l'information. Si vous utilisez cette application,
Faites attention. Si quelqu'un vous appelle pour vous demander vos codes, ne donnez pas. Ne donnez pas vos informations ultra sécurisées et ultra confidentielles aux gens. Un inconnu, surtout à distance comme ça. Maintenant, je vais vous dire certaines choses. Quand quelqu'un veut vous vendre un produit et cette personne vous dit par exemple, vraiment, vous faites chap, 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 chap. Je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Je ne veux pas que quelqu'un nous attrape. Je ne veux pas que les gens voient tout ça. Puis la personne essaie de vous faire presser, 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 afin de vendre le produit. N'achetez jamais le produit. Parce que cette personne, c'est le diable. Quand quelqu'un vous dit, oh, je vais vous vendre le produit, appelez vite, vite, vite. On va s'entendre. N'appelez pas. Ça, c'est une stratégie du diable. Quand quelqu'un vous dit, oh, vous avez été choisi pour recevoir 1 500 000 francs, s'il vous plaît, venez nous communiquer vos informations afin qu'on puisse vous donner cet argent. Ne communiquez aucune information. Allez là dans le pays là. C'est celui qui travaille dur avec son fonds, qui a son tiers, qui a son argent. Donc ça là, laissez ça derrière. Et voici ce qui se passe. Je vais tomber ces informations et j'ai décidé de partager cela avec vous. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez aussi des conseils à donner afin que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans de tels pièges, laissez en commentaire et révélez-nous toutes les stratégies du diable en commentaire. Tout ce que vous connaissez, afin que les gens, en regardant cette vidéo, puissent lire tout ça et vraiment apprendre des choses. Moi, ça, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Mais aujourd'hui, on va se laisser. On va se laisser. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.